Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de War Tales. Je suis avec Gelden et Damned. Salut les gars. Salut messieurs, dames. Hello. Et on reprend du coup un petit tournage. Et normalement, il fallait qu'on passe à la prison. Oui, on avait poussé jusqu'à la scierie parce que c'était un truc qui n'était pas découvert. Ouais, et puis Et du qu'on avait coup, on besoin de a un bois. prisonnier sur les bras. Donc on pourrait passer à la prison et puis après avancer vers la compagnie d'Hérogène là, par exemple. Là, nos quêtes sont aux quatre coins de la map quoi. Ouais. C'est bien joué ça. Ouais. Compagnie d'Hérogène, ouais. Ou alors sinon on va sur le refuge. Ouais, mais j'ai pas envie de me traîner le prisonnier. Hein. Oui, non, mais ça peut être sur le chemin. On peut Oui, on aller passe à la soit à la prison dans tous les prison. cas et après on va au refuge. Ouais. Bah après ça dépend hein, si on veut avancer la quête principale, ouais, ça peut être une bonne occasion. Ouais. Niveau sous, on a ce qu'il faut. Ouais, on peut aller au refuge. Du Est-ce coup, il faut qu'on passe qu'on en ville aille. entre-temps, voir s'il y a pas si on retrouve pas un voleur digne de ce nom? Mais non, parce qu'on en revient, je crois. Je crois qu'on en Ouais, mais revient. on peut. C'est sur le chemin, donc ça nous coûte pas cher. Hein. Donc plein sud du coup. Ok, Parfait. donc Ok. go prison. C'est parti. On fait un petit tour à Stormcap juste pour voir, peut-être liquider 2-3 objets. Alors, La taverne. taverne. Alors, qu'est-ce qu'on a à la taverne? Non, c'est pas là Non, qu'on ça a a l'air d'être les taverne. mêmes. Les mêmes. Le voleur avec la peau dure. Ouais. Le lancier sanguinaire et l'autre qui est rapide, ouais. Donc c'est Hop. pas de nouveauté. L'émissaire, Might she be on n'a looking pas de for quête de work? toute façon Our en role with plus. emissaries is to ensure. Ah si, on a. Ah oui, il y a assassiné, il y a un truc de rat et il y a un assassinat à faire. Au Eh ben, nord-est. go prendre les deux. On a combien? 300, je négocie un petit peu. Allez hop. Hop là. Et on prend les rats. Tu comprends les rats? Prenons les rats. Bah on peut. Merde, raté. Tant pis. Hop là. Et au niveau des stocks et tout, on est bien normalement. Ouais, de toute façon, on n'avait rien à. J'avais quoi? J'avais. Si il y avait une veste qu'on pouvait vendre, mais et l'arc de pillard aussi, mais je vais les démanteler plus tôt, je pense. Ok. Et ben. Allons-y. Bon, Dans ce cas-là, go prison. Au milieu du brouillard. Il passe jaune quand on s'approche de Écarde, ils m'ont fait peur. Ah, il faut faire le tour de la zone pour la prison. eh oui. Y a plus de brouillard. Wouhou. Pourtant, le temps est encore à la pluie, semble-t-il. Non, pas Ah, chez moi j'ai un moi. grand soleil, moi. Oui, mais Ouais. si tu Ah, regardes en haut à oui, droite, l'icône, ok. l'icône indique qu'il pleut. Oui, bah il repleut. C'est vrai que c'est pas. Bah moi justement non, mais. Moi j'ai re de la flotte, moi. Moi il Mais en pleut même temps que pas. le soleil. Moi il pleut pas chez moi, et C'est les giboulées de il dit qu'il mars. fait Non, mais beau. y a, t'as l'icône qui fait dire qu'il pleut. Oui, mais justement non, je te dis qu'il n'y a pas l'icône qui pleut chez moi. Il devait y avoir un petit bug de synchro. Alors, livrer un prisonnier, ça nous fait gagner moins 20 de recherchés, mais même pas de sous. Déconne. Bah, c'est parce C'est qu'on est naze. recherché, donc du Ah si, coup. 70. Il y avait marqué 70 aussi. Ouais. Du coup, bah non, on livre rien d'autre. Il a quoi de beau? Des chaînes? Il nous faut d'autres chaînes peut-être? Moi j'en ai une. Ouais, on n'a pas besoin de 40, on va peut-être se contenter de Des ça. cordes. Il y en a une dans l'inventaire, j'en ai deux sur moi. Ouais, mais alors il en faut pour en fait pour les animaux de base, il faut une corde. Pour les animaux un peu évolués, il en faut trois. Et pour des bestioles comme les ours, il en faut cinq. Bah écoute, on va en prendre une dizaine de robes. Hop, Mais il faut voilà. les avoir dans notre inventaire, il faut pas que ce soit dans le coffre. Donc il faut que il y en ait deux qui Voilà. prennent. On fera le tri après, j'ai pas envie de vendre par erreur. Alors on n'a pas regardé ce qu'il y avait éventuellement, s'il y avait un rôdeur potable.
Qu'est-ce qu'on a de beau? Alors, un archer. Ah, si, un rôdeur, agile, carnivore et glouton. Okay. Lâche et confiant. Confiant, ouais, tir au flanc et lâche. Il a des traits de merde, mais au moins il a la compétence Le la plus courroux, ouais. utile, le courroux. Enfin, tir au flanc et lâche, ça fait un peu chier, quoi. Et un lancier travaillé. J'avoue, là, c'est pas terrible. Là, je sais fait quoi en combat s'enfuir assez le moral du bon, j'ai jamais vu le moral descendre. Hein. Bah, disons que si on est dans la merde et qu'il s'enfuit, ça fait chier, quoi. On peut perdre Oui, des persos, ça peut arriver, hein. ouais. Même parfois, c'est parce qu'on a tendance à. Ah, il y en a un autre, il y a un. Ah Ah oui, oui, y a c'est celui un... qu'on a Ah bah remarqué. c'est celui qu'on vient de donner, le braconnier. C'est sympa qu'il soit là, cela dit, ça fait classe. Eh bah faut qu'on campe du coup. Campons un petit coup. Alors, est-ce que je peux fabriquer des choses? On avait dit que je faisais le lutrin pour faire un peu d'XP. Ouais, et puis c'est bien le lutrin parce que ça génère des points de connaissance. Donc du coup, on va prendre le minerai rouge. Il faut du J'apprends une nouvelle tissu. recette parce que j'ai plein de légumes et je sais pas cuisiner les légumes, c'est dommage. Ah, faut qu'on s'en souvienne pour la prochaine fois, ouais. Mais je sais pas s'il y en a des recettes, faut que j'aille voir. Ah oui, faut Alors, récupérer. toc. Hop là, un petit udrin. Et on a le nouveau métier. Bah, on fera que le rôdeur, ce sera un érudit, tiens. Moi ouais, j'ai voleur et forgeron. Vous avez quoi vous? Bah moi du Lutron, coup j'ai le bricoleur cuistot et alchimiste. et Même si mineur. l'alchimiste ça sert pas vraiment, mais bon. Alors, a priori si. Mais moi j'ai pas vu, mais quand les niveaux augmentent, il y a des huiles qui sont assez balèzes. Ça pose des buffs et des debuffs. Bah oui, mais niveau augmente, faut pouvoir faire des trucs. Le problème c'est que faut avoir des recettes, il faut avoir du Ouais, matériel. non, mais il faut avancer un peu, mais Ouais, c'est ça. Hop. C'est quoi? Il Mais faudrait du coup, que je peut-être que pour l'instant, il vaut mieux. Ça donne quoi Comment le. Scout, alt. Alchimie, c'est quoi? Ah, ça donne de la dext. Toc. La dext. Ce sera aussi utile à un rôdeur. Les réduits, ça donne de la Alors. volonté, c'est pas ouf, hein. Ouais, mais le truc, c'est que l'érudit en soi sera utile tout de suite. Alors qu'effectivement, l'apothicaire, pour l'instant, ça sert pas grand-chose. Ah oui, parce que ça augmente notre connaissance pendant le repos, ouais, ok. C'est vrai qu'il y a Voilà, un à effet chaque fois passif que. intéressant direct, quoi. Il n'y C'est a ça. pas Ouais. forcément besoin des. T'as déjà un peu d'XP en alchimiste ou pas? Ouais, 35 points. Ou sinon, Smite Dextérité 6. plus 2 quand même. Ouais. Ou sinon, Smite 6, parce que le fait de faire du bûcheron, en fait, ça pas sur le long terme, ça n'a pas grand intérêt. Même si là, ça donne de la force, ce qui est cool, mais ça monte très lentement. Ouais, bah faut Oui, trouver bah après. les endroits pile poil où le mettre, quoi. Est-ce que moi aussi c'est un érudit? Ça peut, hein. Ouais, sinon pas C'est bon, si. c'est bon. J'ai pris. Et du coup, il faut que tu le mettes sur le lutrin. Il va lutriner. On peut même Faut pas que je mettre le le loup sur la trouve. bannière, quoi. Triste. Ils sont chiants à sélectionner les persos sous la tente, bordel. Ah oui, peut-être tu peux utiliser. Non, tu peux pas cliquer sur ton pool de perso, dommage ça. Ouais, si c'est bon, je peux cliquer sur l'icône en fait, ok. Ouais, tu cliques sur. Tu... Ah, il y a un. Ouais, il y a ma fille qui m'appelle, je pense. Inactif, ressources manquantes. Ah, t'as vu. Il faut qu'il y ait des ressources pour que ça fonctionne. Ah, c'est vrai que je Je sais peux. pas du tout. Apparemment, gestion des. Demander. Ouais, en fait, il faut du mal. Ouais, bah ouais, je pense qu'il faut des. Il faut avoir des trucs à étudier en fait, tout simplement. Oui, il faut aller
Là, ça sert à rien du tout. Ouais. Explorer le tombeau. Si, en fait, je te dis en passif, tu vas voir quand on aura passé le jour. Ouais, c'est marqué augmente votre connaissance pendant le repos, mais il faut pas de ressources. Ah, d'accord. Ça donnera des points de connaissance. Mais t'es sûr qu'il faut pas. Ouais, non, il n'y a pas besoin de. Ah, non, il y a besoin de rien d'autre. Ah, ensuite, d'accord, ok. Ensuite, effectivement, quand on aura des. Je ne l'ai pas fait encore, mais. Étonnant m'a expliqué, hein, quand on aura exploré le tombeau, on va récupérer des trucs que l'érudit pourra étudier. Ouais, je vois ça, il y a des codex. Restaurer les codex détériorés permet de déterminer quelles runes contiennent. Une fois restaurés, ils restent illisibles tant que les runes correspondantes n'ont pas été apprises. Ok, ouais. On a quand même encore plein de trucs à apprendre. Ouais, non mais. C'est un jeu qui est globalement d'une. Il y a une profondeur. Et puis, mais ça peut être vraiment long, quoi. Aussi. La bannière, tu peux carrément la personnaliser et tout. Ah ouais, on l'a pas bah fait. Ouais, il faudrait que le lieutenant bosse dessus, mais il s'occupe de ce qu'il a volé, notre lieutenant. Ouais, c'est cool ça. Tu peux faire des trucs sympas en plus. Ah ouais, il y a des... Des résolutions. Il y a des buffs que tu peux choper. Qu'une expérience au combat augmentée de 30%. 30% jusqu'au prochain repos, waouh. Ah, ils sont pas mal les buffs, hein. Ils sont puissants, hein. Ah oui, sauf que s'il faut dépenser 100 points d'influence à chaque fois. Ah bah oui. Oui. Ça devient vite cher pour le coup. Peut-être, mais c'est intéressant. Ouais. Puis ouais. Ceci, peut-être en off, il faudra faire une petite personnalisation de la bannière. Voilà. C'est cadeau. Non, c'est fait. Ah. Ouais, c'est presque un signe. Presque. Il permet juste de le changer en noir parce qu'on le voyait pas bien en bleu. Et sinon, il y a un hibou. Ouais, j'ai mis vie. Ah, t'as mis vie. Voilà, en noir. Non, elle est bleue quand même plutôt. Comme ça. Non, c'est pas Eevee. C'est un dragon là. Ouais, c'est un dragon, je confirme. Parce que j'ai pas appliqué. Voilà, j'ai appliqué. Ah oui. Ah bah oui, bien mieux. Sauf que, effectivement, la couleur, je suis pas ouf. Enfin, pareil, je trouve pas très ouf. Jamais en noir. Ouais, les couleurs, j'ai fait au pif, hein. Eh, hey, vous voulez que je redessine le Pays des Merveilles ou bien là? De toute façon, tant que nos lieutenants ils travaillera à blanchir ces objets, on leur a pas notre bannière. Donc. Ouais, elle est pas moche comme ça. Ça devrait être bon, je pense. Et je redessine le Pays des Merveilles. Il faut quand même, tu sais. Sir Damned, il faut vous occuper de la boostify. Hein ouais, pardon, c'est vrai. J'ai versé la solde, hein, 109 balles, mais yes. Ça donne 3 de bonheur et 10 d'XP. Ouais, 28, hein, on commence à consommer de la bouffe. Hein. Parfait. Voilà. Quel artiste ce cuisinier ? Faut cliquer sur verser, hein, je sais plus le solde. Il suffit d'une personne, j'ai c'est cliqué. Coché. En fait, faut que ça, coche, okay. Ça soit coché, ouais. J'avais un doute. Alors on était à 95 de connaissances, on passe à 145, ouais pas mal. Ouais. Pas mal. Connaissance du monde a augmenté. Oui, on passe à 20 matériaux bruts. Bon bah voilà, nickel. On a un point de voix à dépenser. Ah oui, exact, j'avais pas vu. Voilà, ça lag. Bon payeur. Et artisan novateur. J'ai même pas le temps de lire. Pardon. Pas grave. Il faudra mettre pause si bon, on où est-ce qu'on va? Bah, on est parti. Je pensais pas du à la coup, pause en jeu, je pensais à la pause sur la VOD en l'occurrence. On a dit le refuge. Le refuge. Allez, go. On pourra récupérer un peu de métal au passage. Ça nous permettra de débloquer la zone d'après. Tranquillou. Tranquillou, bilou. Il reste encore des réfugiés, mais ils sont nombreux les réfugiés, la vache, là. Allez, j'arrive, j'arrive. Allez, le signe. Oula. Petit lag. Ah. Mais c'est bon, c'est dedans. Ah, un saphir. GG. Il nous dit rien de plus, lui. Non. Que...
Il y avait un sac là, mais non, c'est pour piquer. Ah, bah attends, ah non, c'est bien de piquer du sel. Ouais, mais il y en a un autre à mine. Fais gaffe, on est à, fer, hein. On est à 20 de soupçon. Ouais, je sais, non, je regarderai. Comme t'auras amené, je regarderai. Ouais, bah deux saphirs, c'est pas mal. GG. Alors, voler. Est-ce que ça me dit 25 à 40? C'est bon. Kiff. Aïe aïe aïe. Les vilains, quoi. Bon, après, j'avoue que du sel, j'en ai. Le problème que je commence à plus pas avoir, c'est les ingrédients. Ouais. Bah, du coup, ouais, faudrait qu'on regarde s'il y a. Prochain point non, de connaissance, regardez, il n'y a aucune recette à base de légumes, je pense qu'il faut les trouver. Ouais, ça se trouve, il faut le trouver. Ouais, il y avait la recette de la tarte aux pommes, je crois, dans le... Ouais. Ouais, j'ai pas de pommes, mais... Y a pas de... Oh là là, mais... Jamais des content. Des champignons, des haricots, des poissons, mais... Après, on les a peut-être pas découverts, hein. Ouais, c'est ça, je pense. Ouais. Là, il y a saucisson au grain. Un saucisson grain. 14 de nourriture, attends, la vache. Attends, bonus prix de vente. Ah oui, ça te... Putain, quand tu manges ça, ça te donne prix de vente des marchandises augmenté de 10% jusqu'au prochain repos. Ah oui, tu peux faire des trucs bien poussés après quand même. Hein. Ouais, dans les repas avancés, ouais. Des buffs et tout, quoi. Oh, il y a la tombe de la petite fille à l'arrière de la maison, j'avais pas vu. Ah oui. C'est Christ. Putain, les mecs, ils ont pas de cœur, quoi. C'est triste. Et si on lui piquait son saucisson? Oh, je suis triste, je noierais bien mon chagrin dans son saucisson, tiens. Allez, salaud, quoi. Allez, Mathias, il est toujours rouge vif là-bas, là. Ce que j'allais dire, oui, c'est... Ah oui, c'est l'autre là-bas, ouais. Bah, c'est son mari qui est devenu fou et... De toute façon, on pourrait lui péter les dents. Mais non, je t'avais dit que c'était compliqué. Ah. Ouais, il est fort. Alors, attendez, je vais sauvegarder juste avant. Hop. Tac. Voilà, ça au moins. On pourra changer d'avis si jamais on veut. Sereinement. C'est la baston. Enfin, les hommes commencent à penser que vous ne viendrez pas. J'ai toujours eu confiance en votre parole. Allons-y et finissons-en avec ces envahisseurs. Et ben, on bute les réfugiés, hein. Bah ça va, c'est pas ouf comme combat. On n'a pas le choix de façon. Je pense que ce serait plus compliqué que ça. Ah, c'est des réfugiés, hein. Les pauvres, ils ont pas de bouffe, ils sont réfugiés dans un vieux truc tout moisi. Y a quand même 15 mecs en face, hein. Ah, puis ils sont quasiment morts en plus. Ah non, pas tous, d'accord, y en a qui étaient déjà en combat. Qui sont quasiment finis. Ouais, oui, y a du... Oh le bordel. Là, y a une zone de poison, ouais. Parfait. Ça va être un beau bordel. Y a du feu. Oh la flemme. Y a des zones enflammées. Y a du brouillard. Là, y a une lance tout à droite, ok. Juste à côté de Moïsis. Ça va piquer, hein, ça va piquer. Il est où le chef? Là. Le bourgmestre. Non, ça c'est notre chef à nous. Qu'est-ce qu'elle nous donne? Plus de mouvement. Attends, et les autres ils ont quoi? Du critique à tous les coups? Ouais, critique. Il est où leur chef? Je le vois pas, il doit être dans le brouillard quelque part. Ils ont un élite aussi, enfin un aguerri. Il doit certainement être dans le brouillard là, il y a trois rouges. Oula! Enfin, il y a deux zones de brouillard. Ouais, deux zones de brouillard potentiellement. En vrai, toute la partie où il y a Zmoïsis et tout, on pourrait s'en foutre et se concentrer en bas. Et où ils redescendront, j'en sais rien. On pourrait. Ah, le braconnier, l'aguerri, c'est un braconnier, mais ouais, je pense qu'on peut se passer de lui pour l'instant. C'est sympa les décors, hein. Il y a quand même une lance plantée dans le cadavre au centre de la map là. Ouais, c'est pas mal, ouais. Bon, je vais redescendre un peu moi du coup. Est-ce que si je mets un darine dans le brouillard, il voit rien? Si je le mets tout là-bas, on voit pas le chef, non. Et voit Koda, l'Ardarine. Bon, tant qu'à faire, on peut essayer de se finir rapidement ceux qui sont quasiment morts, hein. Ça nous fêtera toujours des alliés. Il faut essayer de les finir, ouais, c'est ça, avant qu'ils ne finissent. En fait, il y en a un là qui est important. T'as le truand. Ouais. Un truand ici.
qui sinon va tuer l'autre truand. Ah, on peut déplacer les autres, les alliés aussi? Ouais, on peut déplacer les alliés, ouais. Sauf ceux qui sont engagés. Tout à fait. Évidemment. Donc, il y a le fantassin qui va jouer en premier, il faut le laisser là où il est, parce que justement, il va péter le maraudeur. Ouais, il va aller péter le maraudeur. Voilà. Donc lui, il faut le laisser là où il est. Et puis... Les tanks, c'est peut-être pas pertinent, quoi. Je peux aller tanker le truand vite fait avec le signe et tanker le maraudeur avec Quack. Puis après, on avise et on pète des culs. De toute façon, faut aller chercher le... On n'a pas trop le choix, hein. Faut aller chercher le chef. Bah, il va venir nous chercher, hein. C'est le premier à jouer, donc... Le chef? Ouais. Ah ouais, d'accord. Donc, je pense qu'il va venir nous chercher, je suis pas trop inquiet. Ok. Attention, il y a Aou qui est mal placé. Je vais prendre la place de Malvinette, je vais tanker un peu le truc du milieu là. Et Malvinette, si elle peut s'occuper rapidement du maraudeur, avec Xmosis et Malvinette, je pense que vous pouvez le faire tomber vite fait là. Lequel du maraudeur? Celui qui est tout en bas du côté du d'accord, fantassin. Ok. Parce que ça m'évitera de le tanker pour rien, je pense que le chef il est soit dans cette zone là, soit il va mettre des plombes à ouais. venir. Mais... Okay. Ouais, faut juste faire gaffe à là où est le loup. À où? Bon, il va s'occuper du petit braconnier, non? Ça te va pas? Non, ouais, non, c'est juste que j'ai l'impression qu'il est mal sur sa case, tu sais, comme on avait le problème. J'ai pas souvenir d'avoir eu ce problème. Là, il est sur sa case complètement. Là, c'est bon. Par contre, ce qui est cool, c'est qu'il se tourne vers l'ennemi qui va attaquer, tiens, j'avais jamais fait gaffe. Ouais, ouais, c'est vrai, ouais. Ok. Non, là, c'est bon maintenant. Le signe, il va aller chercher le truand, ouais, ok. Ok. Bon. Bah, ce que je proposerais bien, c'est que j'aille direct chercher le truand qui est ici, là, comme ça, avec un peu de bol, ça va faire venir le chef s'il est dans le brouillard. Mais c'est juste une idée. Ou pas. Non, peut-être qu'il vaut mieux qu'on gère un petit truc sur le côté, et puis, tu vois, par exemple, le truand qui est tout en bas. Ou alors, ah oui, non, ouais, avec le signe, sinon ce que tu fais. Avec le signe, tu vas là, sur la lance. Ouais. Tu lances la lance sur le truand. Je prends la lance et... Et puis tu reviens, et tu reviens tanker le truand qui est... C'est vrai qu'on a pas mal de mouvements. Allez, je fais ça, c'est parti. Comme on a plein de mouvements en plus. Plus d'action, moins de discussion. Voilà. Voilà. Ça, c'est fait. Je vais laisser un tir. Tiens, il y a un maraudeur juste derrière. Ouais. Bim. Est-ce que je prends une petite protection? Ouais, ça permettra d'avoir un point débloqué à gagner. Voilà. Hop. Ok, il était juste là. Ah bah tiens. Coucou. Et du coup, il marche dans le nuage de poison. C'est une excellente idée. Bim. Oh, ça c'est fait. Ah non, j'ai cru qu'il avait utilisé la lance. Bah si, rien, hop. Enfin, ou c'est sa propre lance peut-être, il avait sa propre lance. Sa propre, apparemment, ouais, bien joué. Putain, il s'en fout du poison par contre, hein, clairement. C'est ça. Il s'en bat les steaks. Alors, où est-ce qu'on est? À nous. Braconnier qui va normalement vaincre son braconnier à lui. Braconnier qu'on ne voit pas. Ouais, un braconnier qu'on ne voit pas. On verra, le cas échéant, il faudra aller sauver notre braconnier copain, si jamais il fait moins de 3 points de dégâts. Ce n'est pas impossible, parce que sinon il risque de se rebuter juste après. Ouais, braconnier à 3 contre braconnier à 3. Il y a le chef du coup qu'on pourrait en profiter pour nettoyer là où il est, hein. Il est dans le nuage de poison, donc ouais. Comme ça au moins... Je valide. Alors est-ce que il faudrait un Zmoïsis pour éventuellement lui faire mal? Il est où, Zmoï? Coup critique contre les unités empoisonnées, ouais. Si tu peux te mettre genre ici, ça. Est-ce que t'as assez de mouvement genre pour le repousser dans le caillou? En plus tu fais coup critique, ouais c'est bon ça. Attention pour, après pardon, les empoisons. Hein. Par contre, tu m'as dit quoi parce que j'ai pas entendu ouais, du coup. Pareil dans le coin là, pour le repousser dans le caillou pour qu'il bouge pas trop, pour qu'il sorte pas du poison. Ah, ça repousse. Ah oui, d'accord, j'avais pas vu. Ouais, parce coup critique, tu repousses. Comme il est empoisonné, tu vas lui faire un critique. Ouais, plutôt sur le côté, tu dis, ou en bas? Plutôt là ou là? Moi, je dirais plutôt dans la diagonale, là. Ouais. Okay. Plus ou moins, quoi. Enfin, faut voir comment tu peux te mettre, mais... Un petit déchaînement, peut-être, pour commencer, non? Une fureur, en plus.
sur un critique. Ouais, du coup, dès que la prochaine attaque va augmenter de 50%, qui sera forcément un critique. Si tu fais un critique. Si tu fais un critique, c'est propre, ouais. Vas-y, bah essaye. Ouais. Tu verras. Perdu. Dommage. Ouais, dommage. Ouais, bon, il va prendre cher quand même. Hein. Et il a pas reculé, parfait. Donc il est bien dans le poison. Voilà. Allez, 3. Voilà, parfait. Ça, c'est joli. Ok, l'autre braconnier est là. Oh bah, y a un Gaelden qui se sent frétiller là, je sens. Lui, bah, je sais pas. Non, parce que normalement, notre braconnier attaque avant. Là, il y a le truand qui est tout derrière, il peut rien faire. Je vais. Ah, attends, oh là, oui. Bah, là, il y a un joli groupe. Là, bah oui, carrément. Ah là. Oui. Bah, pourquoi tu crois que je dis ça? En plus, il y en a un qui est empoisonné, donc tu peux lui mettre du saignement normalement. Il y a bon pour la peine, avec du genre. Ouais, avec. Ah non, c'est l'inverse, c'est tu mets du poison aux unités qui saignent. Pardon. Enfin, tu peux quand même piquer un peu les fesses, quoi. Après, est-ce qu'il y a mieux à faire? Ensuite, ça va être deux verts qui vont jouer. Le truand qui est tout derrière, il fera rien. Il y a un braconnier là qui. Il faudra peut-être engager. Ouais, mais on a le temps. Même la lance en plus, mais bon, la lance, je suis pas sûr que tu pourras faire. Et attends, la lance, ça, on a deux coups à jouer avant seulement. Oui, mais tu vois, ça laisse le temps que Malvinet y aille ou Damned. Ouais, c'est... Puis au pire, bah, c'est oui, un braconnier quoi. On a deux coups quoi. Bah sinon, je joue Gaelden et puis. Si tu veux, avant d'aller sur le groupe, tu peux pas utiliser la lance et après aller sur le groupe, on t'aura pas assez. Sûrement. Parce que la lance, tu peux toucher le maraudeur en bas. C'est peut-être un peu short, hein. A voir. En tout, j'ai 18. 18, ouais. Là, normalement, c'est bon. Je sais pas. Bon, c'est là, la lance sur le maraudeur et puis finir sur le groupe, mais je sais pas si tu peux. Ce serait con que je me plante, en fait. Ah oui, ça, c'est sûr. C'est pour ouais, ça que je dis. Ça fait quand on regarde ton mouvement global, tu peux aller que jusqu'en bas du groupe, donc il est quand même loin. Hein. Ouais. Je suis d'accord. Ouais. Ah, j'en ai que deux. Dommage. Ouais, bah écoute, c'est déjà ça. Ouais, c'est pas. C'est déjà plutôt. Voilà quoi. Oh, j'ai même pas de. Ah, attends. Je peux faire dans l'autre sens. Oui, c'est bien aussi. Ah non, voilà. Ouais, bah tu vois, j'étais trop court. Ouais, bah t'as raté, ouais. C'est du coup. Voilà. Bah, comme ça au moins on sait. Hein. Ouais. Un petit autre qui se rajoute. Pour une petite bombe là. Allez, bute ton pote, enfin, l'autre. Voilà. Bute ton pote. Oh. Et un petit coup de... Je l'ai senti siffler à l'oreille celui-là. Là. C'est ça. Allez, ah dommage. Oh là là, lamentable. Le combat des titans. Ouais, je pense pas que ça vaille le coup d'aller le chercher quand même. Hein. Par contre, il y a le braconnier après. Bah écoute, j'y vais avec mes lunettes. Hein. Ouais. Tu tankes avec Malvinette. Bah de toute façon, il est pour moi le choix. Hein. Oh bien non. Ah oui, Malvinette en plus c'est bien, ça va générer un point. Ouais. Oui, puis Damned il pourra neutraliser le maraudeur en mettant un mur de lance à deux points. Hein. Si on veut. On peut faire ça. Un courroux. 11 à 14, il lui reste 15. Dommage. On va y. Tu t'étais bien. Je sens que ça va me siffler aux oreilles encore ça. Dans le poison, bon ça ok, c'est propre. Il va rejouer donc il est libre, c'est oh, un peu dommage. Oh le coup critique du braconnier. Lui c'est... Ouais ok c'est bon, il me rechoppe. Le coup critique du truand à 3 quoi. Lui il va s'empoisonner. Oh, oui, c'est bien. Il reste 2 drones en plus, nickel. On est bien. Alors, ouais. Le prochain... C'est le braconnier tout. Alors, là-bas, bah, il va gagner ou pas. Maraudeur. Ouais. Ouais, le maraudeur qui est là, il a déjà joué. Non. Le maraudeur du bas, ça pourrait être pas mal de le fixer quand même. Ce que t'appelles le bas, c'est le haut, c'est ça? Non, c'est le bas. Ça dépend de la vision de chacun, comme d'habitude. Je sais. Celui qui est dos à Malvinette. Hein, celui qui alors, est dos je à pense que le maraudeur qui est tout en haut va aller le fixer.
Ah, celui-là. Ah oui, t'as raison, c'est vrai qu'il est à portée. Ouais, il est à portée, oui. Bon, il va crever vite, mais il va pouvoir le fixer. C'est pas grave. Il va l'occuper pendant un tour, ce sera très bien. Du coup, genre Malice essaierait de finir le chef des réfugiés, peut-être. Ouais, il fait pas assez de dégâts. Oh, encore que, 12 à 22. Ça dépend si critique. Ouais, tu te colles derrière Zmoy. Tu pourras peut-être même mettre un tir de barrage quelque part après. T'as une chance sur deux que ça passe. Au pire, il crèvera du poison à son tour, quoi. Oh. Je vais y arriver. Hop. Et ben propre. Voilà. C'est propre. Donc déjà, ils ont perdu le bonus de critique. Ça va faire plaisir. Rien que ça, c'est bon. Est-ce que tu mettrais pas un petit tir de barrage par là ? C'est fait. En plus, il est dans la zone, le maraudeur. Parfait. Voilà. Oh. Oh putain. Ouais, le signe, il sent que ça lui siffle aux oreilles à chaque fois, là. Ok, c'est la ça. Bourgmestre, merci pour cette utilité. Vas-y. Fais rempart de ton corps. Ah, il l'a pas chopé, il est pas long, il était pas au contact. Ah non. Merde. Dommage. Ah ouais, mais peut-être qu'il va. L'autre va quand même y aller. C'est moyen. Bah, Damned, il peut terminer le truand. Ouais, peut-être terminer le truand et puis au passage m'enlever le poison. Ah bah oui, ce serait propre ça. Ah dommage. Ah dommage. Non. Dommage. Bah du coup. Un petit soin. Ah non. Bah je peux t'enlever le soin, mais est-ce que ça vaut le coup? Il va t'en remettre un. Ah non, tu vas peut-être le jouer avant. On va peut-être le tuer avant, ouais. Bon après de toute façon. Ouais, c'est vrai. Je suis sûr que tu vas finir par gagner un trait. Pour soigner tes potes. Alors lui il va où? Peut-être. Mettre un coup de lance, ok. Bon, pas mal, c'est toujours ça de prix. Eh oui. Oh, ça pique les fesses. Les adversaires peuvent aussi. À faire des petits finishing moves. Le loup il va où? Ah non, il va ici, ok. Ah bah très bien. Bon, oh, un petit saignement, ça va faire plaisir à Galen, ça. Ouf. Comme il a pris cher, waouh là. Est-ce que j'irai pas chercher le maraudeur qu'elle a avec le signe histoire qu'il nous lâche la grappe? Ah non, il va se déplacer et prendre le tir de barrage. Enfin, ça n'arrêtera pas. Non, il peut aller choper là-haut le braconnier. Bah, il fait des attaques de zone, donc à mon avis, il va se mettre là, il va faire une grosse tatane. Mais... Qui ça? Lui là? Ouais, lui. Ah. Mais bon, après c'est pas très grave. Hein. Ouais, je suis plus empoisonné, donc je prendrai pas de critique. Donc c'est pas ce très qui grave. Est sûr, ce qui est sûr, c'est que tu peux choper la lance au passage, toi. Ouais, je vais peut-être aller fixer un peu le tas du coup là, plutôt. Ouais, le braconnier en haut, ce serait pas mal. Le braconnier en haut, je peux pas l'atteindre. Il est bien derrière ses potes là. Hein. Il est trop loin. Ah oui, t'es trop loin. Mais je peux choper celui-là en me mettant par exemple contre le truand, donc je vais prendre le truand aussi et t'auras une place pour mettre ton coup multiple. Donc déjà, la lance. Là tu peux tuer le maraudeur peut-être. À 100%, allez. Hop. Alors est-ce que du coup j'ai une opportunité d'aller chercher? Oui, je peux aller chercher lui. Ah bah oui, beaucoup mieux. Hop là. Protection pour tout le monde, au cas où l'autre vient de mettre un coup dans le tas. Oui, parce que là en plus, à mon avis, il peut arriver à en choper 4. Voilà, petit 30% de réduction, c'est toujours ça. C'est pas impossible, non? Non, il va où? Ah. La flèche. Ok. Bon, pourquoi pas. Et Damned prend cher. Et Ardarine. Bim! Boum! Ardarine n'est pas pour déconner. Hein. Bon, ah, parfait, je vais pouvoir fixer le maraudeur et Damned se replier. Ah merde, il va rester le braconnier tout en bas là. Oh fuck. Lequel, le braconnier Celui qui attaque en deuxième. Il lui reste un PV, il a réussi à se débarrasser de son adversaire. Ah oui. Ah bon, faut avoir. Hein. Qui c'est qui change le comportement du bourgmestre là? Bah c'est moi parce que je sais pas, t'as vu son tour qu'elle a fait et c'est enfui. Il fait ça à chaque fois. Ouais, c'est les archers, ils font ça. Les archers, ils font toujours ça, mais je suis d'accord que c'est très mal fichu. Mais
Bah, je vais te dire, il va aller s'attaquer au maraudeur tout seul, qui va être fixé par le fantassin tout en haut. Ouais. Enfin, ouais, okay. Qui est en haut pour moi. Tout en bas. Oh. Tout pas en bas. Idée, arrête mais... de tromper les viewers. ouais, du... ça donne envie de profiter du coup du fait qu'ils sont encore bien en tas pour essayer de tenter un coup avec Gael'den quand même, un coup de ouais, Gael'den. Okay. Hein. Alors juste Gael derrière, il y a le truand qui va y aller, mais bon. Ouais, de toute façon, je peux pas choper les trois d'un coup. C'est pas possible. Bah, tu fais pas d'effort. Non, c'est vrai. Vous avez entendu, vous êtes témoin. 35 minutes 22 secondes, voilà. Je n'ai pas honte de dire ce que j'affirme. Prends-toi ça dans la gueule. Tiens, mange. Mange ton pain. Ouf, ça pique. Ah, il est pas. Tu peux peut-être le finir avec un courroux, mais juste quand même. Hein. Tac. Ouais. Oh ah, c'est vraiment violent les bruits de putain. Et du coup je peux te laisser le truand qui va t'attaquer toi. Ouais. Ça me plaît. En espérant qu'il chope pas ou. Ouais, normalement c'est moi qui devrais choper. Non. Hop. Tac. Ok, là il chope lui comme prévu. Cette fois il l'engage. Avec le Bourgmest à deux là il devrait pouvoir se le faire. Le braconnier sur Malvinette, je pense que c'est pas forcément un sujet. Est-ce qu'on a plus important à faire avec le... Qu'est-ce qu'il joue après? Alors, le braconnier qui nous emmerde, il y a le truand. Ouais, cela dit, si, tu pourras le finir, ça fera toujours ça de moins, à réparer d'armure. Hein. C'est le seul truc vraiment utile, sinon il y a le braconnier tout en haut, mais il n'y a personne pour aller le chercher. Et le truand, okay. Et on sait qu'il va venir sur Quag, donc autant pas bouger. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais... Et sinon, il y a notre truand à nous là, mais il va passer dans le poison pour choper le maraudeur. Le coup de pied pour le finir, quoi, tu sais, cette humiliation. Je vais aller choper en faisant en sorte de pas me prendre de poison. Tac. Je vais me choper là, toujours en faisant en sorte de pas me prendre de poison. Tu veux l'engager ? Ouais, je vais l'engager, comme ça va générer un point. Bim. Et puis il est encerclé en plus. Bon, lui, il va aller faire chier. Eh ben, il fait chier personne. Ah si. Ouh. Non, 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 pauvre Waouh, bah Waouh va aller le chercher, je pense. Il peut ouais. Pas passer de façon. J'espère que le truand va pas le finir, non, c'est bon. Pour l'instant, Waouh est coincé. Il s'est pas pris le tir empoisonné, c'est cool. Oui, parce qu'il se prenait le coup de dague, c'était fini. Ouf, 16 de dégâts. Oh la vache, oui. 32 en un tour avec un mec à 3 PV, ça fait plaisir. C'est okay. Fait. Et qui ne s'est pas pris nuage de poison, ce qui était ouais, inespéré. Il était mal parti. T'en as pas encore la galva, quoi? Non, pas encore, il en reste 4. Bon, le fantassin en bas, il va tanker, je m'inquiète voilà. Pas. Là ensuite, c'est que des gens à nous qui jouent. Toi t'as déjà joué, moi je suis engagé, on a personne pour aller chercher le braconnier dans le tas là. Je pense que Aou va y aller parce qu'il n'a pas d'autre chose à faire. Sauf bah, s'il fait tout le tour, ouais, il va peut-être faire tout le tour. Ouais, ouais il peut faire tout le tour, et puis dans la mesure où on ne le voit pas, c'est possible que... Ouais qu'il choisisse pas, bah je peux courir avec le Singh, c'est le plus proche. Ouais, à la limite... Ça fait un peu chier mais bon... On n'a pas grand chose d'autre à faire en fait. Go. Ouais, pas assez rapide, mon fils. Eh non. Alors, le petit braconnier qui va jouer, ok. Le maraudeur, mais bon, c'est pas tout de suite, il y a peut-être moyen d'en tuer quelques-uns avant qu'il joue. Mmh. Ouais, je vais aller avec Smoichi se taper sur le. Bah, ouais, bon, finir sur du bal, hein. Fais gaffe au poison. Ouais, mets-toi, ouais. Mets-toi dans le dos, tant qu'à faire. Ah, trop tard. Oh bah tu peux rebouger hein. Tu peux te déplacer encore. Parce que sinon ah oui, la Bourgmestre va te faire siffler les flèches aux oreilles là. Et toi, non, dans son dos en fait. Tu regardes la flèche. Tu regardes la flèche et tu te mets dans le dos. Ok. Et ensuite. Bon écoute. Hein. Tiens, prends ça. Oh le triple critique.
Bon bah voilà, écoute hein. Respect. Au revoir. Je... Non mais ok. Non mais bon, voilà. Gaelden okay. commence à trouver son maître. Hein. Ok. Je... Non, non mais... D'accord. Ok. Désolé. Ouh, là, j'avoue, le triple critique. J'avoue, c'était la violence là. Totalement gratuit. Bon, bah... Oh, je vais te retirer ma lisse. Hein. Est-ce qu'elle peut passer sans prendre le poison? Ouais, il y a moyen là. Ouais, là entre tout le monde, il y a carrément moyen. Peut-être qu'elle va se mettre à côté du potarcher. Quoi que non, si, ça passe. Bon, écoute, un cadeau, allez. Oh, ah, ça dommage. Fait mal. Voilà. Ah, lui, il va peut-être pouvoir voir l'autre là, non? Non, non. Oula. Oulala, non. Oulala, oulala, oulala. Hey, les mecs, c'est des œils de faucon quoi. Ah ouais, bah après ils ont peut-être un bonus spécial hein. Parce que. C'est pas marqué mais. Il reste quoi qui est. Quoi qui c'est tout non et moi. Damned. Et moi, ouais. Et Damned. Et Damned, ok. Bah, vas-y. Hein. Bah je vais lui tailler de la tronche un coup. Tu pourras le finir comme ça, hein, je pense. Peut-être, c'est pas sûr. Le loup. Non, c'est à où. Allez, ah, du coup, il va peut-être être trop loin, ouais. Tu peux peut-être pas avoir. Il va mourir avec le saignement. Ah oui, c'est vrai qu'il a poison et saignement. Et poison, poison pour 11 PV. Voilà. Bien. La violence. Bon, il faut aller chercher le... Ils sont tout seuls, le mec il est tout seul, il s'enfuit pas, quoi. Bon, je veux aller là, mais bon... Ouais, bah de toute façon, on va pas le voir. Hein. Va falloir éclairer un peu le nuage, là. Il y a le voit pas. Ardarin, il a beaucoup trop de chemin Ardarin. À faire, puis on le bloque tout partout, donc... Qu'est-ce qu'il fait? On voit pas d'ennemis donc il voit rien. Bah je vais essayer d'avancer ouais. Avec le signe. Vas-y le signe. Je vais avancer petit bout par petit là. Bout. Voilà. Oh, bah, voilà. Un PV quoi. Il restait un PV. Tiens, voilà. Histoire de montrer que je suis mécontent. Alors, il y a du sel à prendre. Une balle de roost. Il y a un petit arc. Bon c'est celui que j'ai déjà démonté, je vais le reprendre. Un autre petit arc. Des rostres de moustiques qui sont des composants, je pense, pour l'alchimiste. Ouais, j'étais en train de regarder pour. Bah, je crois que c'est la même en un point de force en plus en fait pour The Moïsis. Bah, écoute, c'est toujours un point de force oui, en ça. Plus. Hein. Ouais, c'est ça. C'est... Je remets la. Je soigne l'ancienne. Le rostre. C'est... Ouais, ouais, je m'en occupe. Je m'en occupe. Voilà, c'était bon. Parfait. Et bah, on a buté du réfugié, voilà. On peut valider la quête. Youpi. Un dernier mot, Maro. Pourquoi ne pouvez-vous pas nous laisser en paix? Parce que... En paix? Comment osez-vous? Vous avez spoilé des fermes, rançonné les hameaux, volé du grain, attiré les soldats de Doran jusqu'ici. Vous n'avez fait que créer des problèmes. Nous n'avions pas le choix. Vous avez refusé de nous accueillir dignement. Et alors que nous commencions à reconstruire le refuge, vous venez tout détruire. Les éternels problèmes. Vous parlez de cette ruine. Assez, vous n'auriez jamais pu passer l'hiver ici. Pour votre insolence, en raison des troupes que vous avez causées, vous êtes condamné à la corde. Quant aux réfugiés, ils sont sommés de quitter Tiltren sous peine de mort. Simple et efficace. Ah, mercenaires, je n'ai pas ce mot assez fort pour vous exprimer ma gratitude. Grâce à vous, nos honnêtes habitants vont pouvoir dormir tranquilles. Alors ça dépend, s'ils ont un petit peu de compassion, peut-être pas dormir si tranquille que ça, mais... Revenez voir le vrai Stormcamp si vous en avez l'occasion, nous serons ravis de recevoir nos héros. Acceptez ces cadeaux de nos artisans et commerçants pour votre aide précieuse. 200 balles, 50, influence et le laisser passer. C'est propre. On va pouvoir passer à la suite. Alors est-ce qu'il y a des petits trucs à piller dans le coin? Même pas? Je crois qu'on est déjà passé. Ouais, on avait tout pris la dernière fois. Bon bah... RIP. Et du coup, on va arrêter la VOD là, et ça fait déjà un bon épisode. J'espère que ce dénouement tragique, à vos défauts de vous plaire, vous aura intéressé. De toute façon, il fallait bien qu'on choisisse une voix. Dans tous les cas, merci de nous avoir regardés, on se dit à très vite pour la suite. Ciao ciao tout le monde. Bisous tout le monde. Bye bye.